Pourquoi avoir swap victime alors que tu étais beau et fier main mid? Victime c'est ADC. Ah j'ai swap Panekai parce que j'en avais marre, ma botlane se faisait tout le temps exploser et ça me frustrait. J'en avais déjà parlé un peu il y a un moment, mais en gros je jouais mid, c'était Shark mon jungle. Et on explosait vraiment tout le monde pour le coup. Sauf qu'en fait notre botlane se faisait détruire tout le temps et du coup ils appelaient beaucoup, ils se sont mis à appeler énormément le jungle. Et du coup Shark passait beaucoup de temps jungle. Et du coup j'avais moins de cover. Et j'ai commencé à jouer un peu plus safe au début, parce que c'était nécessaire, et au bout d'un moment ça m'a saoulé parce que je me bridais tout seul, tu sais, je pouvais plus jouer aggro parce que bah il y avait souvent le jungle ennemi, donc je pouvais pas prendre mes 1v1, je pouvais pas les forcer les kills. Et du coup je suis rentré un peu dans une phase où j'étais en mode bon vas-y tant pis, bats les couilles, je suis quand même tenté. Il sera peut-être pas là. Et il était là, du coup je mourais en boucle. Tu vas devoir heal et flash ma bro. Tu vas juste flash et tu vas mourir. Et du coup après quand j'ai fait une petite pause, je t'ai dit ça me casse les couilles les botlaners enfin qui se font détruire, donc je suis allé bot. Voilà grosso modo c'était ça. Je joue un peu ADC aussi, j'aimais bien. Bon j'ai un tout petit problème avec Ashe, c'est que tant que j'ai pas attack speed, j'ai vraiment du mal à jouer. On lui met sa part quand même à la civière. Bon la flash elle a pas heal. On va scout. Ok, ça on l'a pas pris. Ok, on a vu Talia. Bon, mon scouting qui ne sert à rien du coup. Si ce n'est à donner l'information sur Talia qu'on l'a vu alors qu'on l'avait. Enfin, on l'avait déjà vu. C'est un petit peu de la merde. Elle a fait quoi? Elle a fait deux camps. Elle va partir bot. Je trouve vraiment que je manque d'AS sur Ashe tant que j'ai pas un item. Hein. Tant que j'ai pas au moins une petite dague. Ça montre que ça fait vraiment que j'ai pas joué le champion. Faut vraiment pas sous-estimer Brand, c'est clairement le genre de champion qui peut me one-shot. Ah la star tire! C'est pour ça qu'elle est morte. Level 1. Est-ce qu'elle a un spell shield? Je pense qu'elle a un spell shield. Ok, bon, cette game en vrai elle va être un petit peu complexe pour moi. Alors c'est pour ça que j'ai changé un petit peu mes runes. En gros, vous avez plusieurs façons de jouer Ashe. La façon la plus répandue, c'est vous prenez des bots gratuits à la move speed vers les targets qui sont slow. Là, j'ai fait des runes un petit peu différentes, comme vous pouvez voir en bas. Il y a une autre rune qui est très très forte sur Ashe. C'est les dégâts bruts sur les targets qui sont CC. Parce qu'en fait, bah, vous mettez deux auto-attaques sur un mec ou une salve et un sort et ça fonctionne. Et typiquement, en plus de ça. Vas-y, on va scout le bush. En plus de ça, vous pouvez prendre la CD, la CDR sur la row. Là, en plus, j'ai déjà deux stacks, donc c'est parfait. J'aime bien ça une avec Ashe, en général je préfère quand même les bots et la mousse speed parce que c'est super fort. Mais typiquement contre ce genre de composition, c'est vraiment une situation où je sais que je vais mourir. Ils ont pas beaucoup de mobilité en face. Quand je dis pas beaucoup de mobilité, c'est globalement, tu vois, ils ont Jayce qui en soi, quand il est tout seul, il a rien pour esquiver une arrow. Ils ont, en vrai je vais faire bot rang 2 et Pelong je pense. Ils ont Talia c'est pareil, Qiyana elle a un petit dash, Sivir elle a un spell shield, Brand il a rien. Mais genre en soit tu vois c'est des persos qui en teamfight sont assez mobiles mais hors teamfight vont pas beaucoup bouger. Et donc typiquement la rose a un bon moyen d'aller les punir, le fait d'avoir beaucoup d'arrow. Et en plus de ça, vu que je sais que je vais beaucoup mourir, ça entre guillemets donne de la value Oh dommage, il l'aura pas. Ça donne de la value à mes runes parce que si j'avais pris des runes pour kite et que je passe ma vie à crever, bah ça ne sert à rien quoi. Je vais me faire one shot par tout le monde. Donc voilà, si vous avez une idée, j'ai déjà mis 90 de dégâts mine de rien avec ça. C'est pas mal. C'est dégâts bruts en plus, hein, donc bon, ça change rien en vrai. Mais... Faut pas non plus oublier Sivir que tu as start avec tir. Hein. Donc tu as 350 gold de stats. J'en ai 1100 plus 800, 1900. Non, le canon! Aïe. Je vais build un slow push que je vais crush. Combien 950? Ah, j'aurais pas les gold. Après je suis level 6, je vais peut-être aller chercher, essayer d'aller chercher une plate. Brand était parti. Elle va... Spell shield. Ah aïe aïe. J'ai bien baisé là. On va prendre une plate. On va récupérer la wave. Enfin attention quand même. Est-ce qu'il n'y a pas un mec qui... Oh putain. Oh bah voilà, j'ai on se casse. Tant pis pour le canon. À niveau 5, ok. Vas-y, on va back. C'est bon. Ah ouais, tu veux me faire. Oh, je l'ai pas vu. Putain. Je vous assure que j'ai pas vu son W. Pourtant, j'étais concentré. C'était parce que j'avais mon HUD qui était un peu haut comme ça. Et du coup, j'ai pas vu le Z. Oh, ça me fait un peu chier parce que c'était vraiment free kill.
J'étais en mode, je pense que j'ai même pas besoin d'utiliser mes sums. Bon, la finalité, si. Il était à 90% dans la tour. Bah, elle a bien joué, hein. J'aurais dû flash par sécurité, mais... Parce que là, j'avais 100% à kill, et je survivais 100%, tu vois. En fait, j'ai essayé de... Enfin, j'ai essayé. J'étais en mode, je pense que je peux loot play. Mais le problème, c'est que si je vois pas le sort, bah, je ne peux pas l'esquiver. Allez, go, go, go. On s'en fout, on tank ça. Ça lui donne de la mousse speed, mais tranquille. Et de rien, pour les travaux. Ah, ça me fait chier, faut que je regarde le replay du live. Parce que là... En fait, au début, quand elle a pas W, justement, je me suis dit... Entre guillemets, elle joue slow, elle veut essayer de me forcer à flash panique MW après, c'est pour ça que j'ai attendu. Mais c'est my bad, là, my bad. Je devrais être en 4-0. Je donnais 600 en gueule à Talia en plus. Ok, je vais prendre ça et je vais reset. Ok, on va back. Bon, ça me donne 2 stacks, ça m'a donné un 3ème si j'avais eu le forestier. Est-ce qu'on tente une petite flèche mythe, c'est super random ça, mais bon, si ça passe... C'est la première fois que je me prends un truc comme ça, mais tranquille. Première fois à tout, hein. Bon, la première fois que je puisse faire l'amour, ça doit être tellement bien. Bon, faut faire gaffe à Brand quand même. Après, tu me diras, j'ai un peu fait l'amour à Sivir tout à l'heure, je pense que je suis peut-être plus puceau, hein. Ça marche ou pas dans cette situation-là, là. Je peux voir que Brand, je vais fast push ça. Essayer de faire en sorte que Sivir perd le plus de creep possible. Enfin, tout quand même, il y a peut-être Qiyana qui décale, je vais scout. Oh, ça attrape. On va prendre la plate. Ah là, tu vois, typiquement, si mon jungle était fort, il m'aurait servi de ward ici. J'aurais pu continuer à taper la tour, il a préféré faire ses vrais avant. Enfin, c'est pas tellement une question d'être fort, tu vois, mais... Ah bon, d'accord. Ok. Bon, je peux utiliser de summoner. Hein. On se laisse mourir tranquille. Bon, il y avait une petite ward derrière, on se fait TP dans le cul, au calme. Je pense pas que je peux win, il a son item mythique. Si j'avais ma Galeforce, j'aurais pu prendre le 1v1. J'aurais utilisé des sums sur le fight, mais là... Item mythique contre pas item mythique, c'est un peu chaud à gagner. Hein. Surtout quand je me retrouve poussé vers la tourelle. Ok, on va qui reset, on s'en va crever. J'arrive au mid. Nous on voit que c'est un besoin de mage noir pour win le summer split. C'est vrai. Ah, dommage. Je demandais d'aller chercher un peu plus. Ok, Jace était mort. On sait qu'il y a Brand top ça. Lilia, on l'avait vu bot. On récupère un kill, 2 plates. On met des dégâts aussi sur la thermite. C'est très bon move ça. Je prends une wave. J'aimerais bien récupérer une plate, mais il nous faudrait plus de vision pour. On a une très bonne vision bot side après. Très peu de vision top side. Faut faire aussi vraiment respecter Qiyana. En plus, elle joue avec Prowler Claw. Ok, bien joué la team. Juste la couleur de son anneau, ok. Merci. Faut savoir, c'est en cliquant sur son champion, en fait, tu pouvais le savoir, tu vois, genre... visuellement, certainement. Tu vois, là, en mode, là, je clique sur Sivir, je vois en haut à gauche 4 stacks de Dark Harvest, c'était plus ça. Ok, c'est juste visuel, merci. Le champion a disparu un peu, Qiyana, là. Depuis qu'il s'est fait turbo nerf, donc... Aïe. Ouïouïouï. Ah, mais je joue Sivir l'étéité. Oh, c'est tellement de la merde. Oh, ça, hein. En fait, je ne comprends pas. Pourquoi jouer Sivir l'étéité quand tu peux jouer Varus? C'est vraiment, je ne comprends pas. C'est quoi? C'est tu un ultimate qui fait courir vite ta team? Alors c'est plus fort en lane quoi, Sivir en l'état, mais... Ça fait beaucoup de dégâts. Non, ça fait pas de dégâts. Je t'assure que ça fait pas de dégâts, Sivir létalité. Bah oui, ça fait des dégâts quand ça Q-spell, super, mais bon. Tu vas avoir un Adekari qui est là, qui met un Q-spell toutes les 6 secondes en teamfight. Ou tu vas avoir un mec qui va auto-attaque à balle. Moi, c'est vite vu, hein. Je vais back. On va revenir tranquillement au mid. Je vais peut-être tenter une arrow de la base, là. Je sais pas, j'ai un bon feeling. J'ai un bon feeling, j'ai un bon feeling. Close. C'est des cours, hein. J'ai 70 secondes, mais en fait avec le temps de le ten de l'arrow, j'ai déjà 20 secondes qui sont passées. Oh putain, j'ai 5 stacks, let's go. Commencer à tirer dans tous les sens, là. Ah, je tankais la tour. Quel enfer. J'ai du step in dans le spell de Talia. Meurs des creeps. Le canon. Le canon. Oh non. Oh, il s'est sustain dans tous les cas avec son item. Ah, je sais pas qui avait l'aggro juste avant. Il l'a lâché. J'ai pris deux coups de tour.
T'es 850, ça fait mal hein, quand même. Ah, il est parti vers le bas encore. J'aime trop partir vers le bas les adversaires. Allez Gnar. On n'a pas récupéré le boomerang mais tant pis. Bon lui il est mort. On va aller push mid. Ça se fait pas essence river sur H. En vrai pourquoi pas. Le CD de la salve est quand même assez court. Là je suis à 4 secondes donc tu peux quand même un petit peu abuser du truc. En vrai pourquoi pas mais t'as pas trop besoin de proc on it sur H. Enfin genre c'est pas vraiment en mode que t'as besoin de proc on it mais... Le stuff sur H autrement, enfin le stuff classique est très bien tu vois sur H donc... Furieux, ils me volent quoi là? J'ai du Gale Force pour être sûr d'éviter l'ulti de Kiana. Ok, la flash. Ce n'est pas marrant. Alors, il y a des gens qui s'amusent, je n'en fais pas partie. Donc tu vas pas t'amuser non plus, voilà. Oui, oui, oui. J'aime trop Gale Force Salve avec H. Je sais pas pourquoi, c'est un peu ma passion. Je trouve ça rigolo. En mode tu Gale Force in, juste tu slow le mec. Et après t'es là, tu peux juste le suivre et spammer tes salves, tu sais qu'il va forcément mourir. On va back, je touche vraiment pas de CS depuis tout à l'heure. En fait le problème c'est que je suis mid, il y a 14 000 personnes mid, tout le monde me taxe. C'est pas très sympa mais c'est pas très grave. J'ai combien de CD, 62 secondes. Ça FF. La flèche vite. Non il multi. Le chien. Ce sera toi que j'honorerai au bout de 3, 1, 2, 3. Ce sera aucun des deux. Oh, j'ai eu 3 honneurs, les frères. Merci l'équipe, ça me fait plaisir.